Le départ, c'est une libération. C'est une libération parce qu'on va avoir les réponses aux questions qu'on se pose depuis une semaine. Parce que finalement, on se fait toujours des films avant le départ. Et puis, quand on y est, on a l'expérience et le bon sens qui prédomine. On est face à ce qu'on doit faire et aux responsabilités qu'on a, à l'expérience qu'on a et au sens marin qu'on a. Première nuit en mer, on est dans un état de stress maximum finalement. On passe du monde terrien au monde aquatique. On se met vraiment d'un coup dans le rouge. Un truc qui est sûr, c'est qu'on ne dort pas la première nuit. D'abord, on va être face à l'immensité du bateau et les conditions de mer qui sont plutôt extrêmes. À 35 nœuds de vent, 5 mètres de houle, c'est pas la maîtrise parfaite. Et pour aucun des concurrents, déjà c'est entre guillemets survivre et après, quand on sortira de cette première étape, commencer à avoir les idées claires pour pouvoir attaquer.